7h dans tout studio télévision nationale d'Haïti Delma 33 pour Prince. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec aujourd'hui jeudi pour nous capable présenter avant dernier sorti journal là pour semaine. Déjà nous souhaitons passer un très bon jeudi sous TNH rapidement mes grands points qui a dominé actualité. Président République là Jovenel Moïse qui était né avec les premières dames République là Martine Moïse recevoir hier mercredi dans le Palais National ambassadeur pays Mexique qui était accrédité en Haïti José Luis Alvarado qui rivé dans fait mission li. Diplomate là t'a travaillé pour capable porter coller dans renforcement bon relations amitié entre pays d'Haïti et pays Mexique. Ministre Justice et Sécurité publique, la maître Jean-Woody Ali, qui te gen ak li commissaire gouvernement Port-au-Prince, la maître Okna Maclame Damius, et puis doyen tribunal la première instance Port-au-Prince, la maître Bernard Saint-Ville, visite pénitentiaire national la mercredi 9 mai 2018. La. Objectif visite ça, c'est pour capable informer et puis garder comment prisonniers a vivre en da pigou prison pays. Direction service entretien équipement urbain et rural dans ministère travaux publics transport et communication tamen depuis plusieurs jours travaille qui rage dans plusieurs canaux dans Matissan Cité Soleil et puis Delma 2. Et puis à l'étranger décision président américain Donald Trump prend pour sortir dans accord nucléaire Iran créer gros bouleversement bon côté entreprise européenne cap qui fonctionné en Iran. De l'autre côté, plusieurs députés iraniens boulé drapeau américain pour exprimer mécontentement par rapport à la décision américaine. C'est grand point ça yo à quelque l'autre n'am gien pour capable développer pour dans journal là n'a pas de pause pas déplacer n'a tourner. Merci pour fidélité et attention nous retourner pour développement information yo. Et nous te dit dans grand titre président République là Jovenel Moïse à première dame République Martine Moïse recevoir dans Palais National à Port-au-Prince mercredi 9 mai ambassadeur pays Mexique accrédité en Haïti José Luis Alvarado qui rivé dans fin mission dans pays a diplomate la porte coller dans renforcement relations amitié en deux pays depuis février 2014 Sabine Jean-Étienne avec Jean-Noël Duvenne a présenté nos reportages à nous suivre. José Luis Alvarado González, accrédité ambassadeur pays Mexique en Haïti depuis 11 février 2014. En 2017, diplomate l'a plaidé bon côté Sénat haïtien en faveur ratification de accords bilatéral qui chita sous protection investissement et coopération éducative et culturelle. Deux instruments qui permettent journée jodia quantité jeunes haïtiens qui bénéficient bourse pour étudier dans pays Mexique doublé. Actuellement, Mexique et Haïti ont plusieurs projets de coopération technique dans quelques domaines, tant que agriculture, environnement, développement entreprise et éducation. Ambassade pays Mexique dans Port-au-Prince, c'est une dans 303 représentations diplomatiques et consulaires pays Mexique gagnent dans le monde. Nous avons quitté la diplomatie, nous avons entré dans la question de justice et sécurité, puisque le ministre de justice et sécurité publique, M. Jean-Woody Ali, qui était gagné avec le commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Okna Maclame Damius, et puis doyen tribunal première instance Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville, qui visitait hier mercredi 9 mai pénitencier national. Objectif visite ça, c'est pour capable informer et puis garder comment prisonniers à vivre en dans prison si là. Ministre l'a fait connaître déjà parlé à commissaire gouvernement et puis doyen tribunal en première instance à Port-au-Prince pour comment il est capable bataille contre détention préventive prolongée. En nous suivant extrait dans micro Richardson Joudan à Capnicho Joseph. Nous sommes fait visite là. Nos objectifs pour nous enquérir, pour nous prendre en pile d'informations sur les conditions détenues.
C'est évident de recevoir des rapports du commissariat, de l'autre structure d'administration sous conditions de détention détenue. Mais il était important pour moi, comme ministre de justice, pour me venir avec Zium comment la situation est. Où elle m'accompagnait de commissaire gouvernement, de doyen tribunal première instance pour Port-au-Prince. Justement, c'est pour elle qui, élément de réponse, nous capoter à la question de détention préventive prolongée. On connaît tout le monde, il sous toutes les lèvres, que la détention préventive prolongée. Moi-même, dans le discours, les maps installées, moi, je te dis tout, c'est une priorité pour moi, lutter contre la détention préventive prolongée. Mais lutter contre la détention préventive prolongée, il faut qu'on fasse avec CSPJ, par exemple, Conseil supérieur pouvoir judiciaire, là, parce que Jujo, il est relevé de CSPJ. Bon, officier du parquet, il est relevé de ministère de la justice. Mais m'accompagner des commissaires et doyens pour permettre de nous adresser le problème. Là. Nous avons des informations par rapport à l'effectif détenu qu'il a. Nous avons à peu près 2000 qui sont en détention préventive prolongée, sous 4177 détenus qu'il a. Nous avons moins de 10% de monde qui est condamné. Donc, nous dit avec autorité judiciaire, nous avons pris des dispositions pour traiter dossiers qui méritent d'être traités rapidement. Parce que nous connaissons à peu près 1005 dossiers, par exemple, qui n'ont pas gagné. Alors, nous disons dossier de monde qui a un problème de dossier pour eux. Autorité judiciaire prend responsabilité pour aller traiter le dossier ça le plus rapide que possible. Nous avons multiplié audience sur notre tribunal pour que ce soit un dossier correctionnel avec assistance et dossier qui doit être traité dans le cas d'assistance et dossier criminel avec assistance ou sans assistance de jury, mais surtout sans assistance de jury, comment nous sommes capables de multiplier l'audience. Nous prenons des dispositions pour traiter les questions rapidement. Nous-mêmes, après, s'il y a bien des audiences le samedi, moi, je suis avec le doyen, le tribunal là, et le commissaire gouvernement, pour gagner des audiences le samedi, toute semaine, non, mais même le samedi, il y a bien des audiences pour tenter, pour traiter le dossier Mounsao. Parce que l'important, même si on est en prison, c'est des citoyens qui ont des droits. Il n'y a pas qu'à faire, on pile le temps sans pas recevoir jugement, c'est-à-dire sans juge patent de haut. Autorité judiciaire a pour obligation pour traiter dossier. Président justice en la chambre, député Jean-Marie Floristala, m'a dit gouvernement haïtien pour être capable de faire policiers plus encadrement avec matériel pour faire face à la situation d'insécurité qui a évolué dans la commune en Port-de-Paix pendant les derniers jours. Député Port-de-Paix a dit qu'il souhaitait la paix retourner dans la population, exprimer préoccupation sur le phénomène d'insécurité pour demander aux autorités pour prendre responsabilité. Nous avons extrait dans le micro Élisée Okolo et Moïse Oubrich. Sur la situation d'insécurité qui a eu dans la ville Port-de-Paix et dans environ ville Port-de-Paix, l'aime parler de environ ville Port-de-Paix, nous avons département entier. Il est vrai que la police a fait un paquet d'efforts pour essayer de traquer les bandits, mais là nous constatons que la police est faible moyen qui est à la disposition de la police pour permettre que de traquer le phénomène ça. Nous avons cacheté nous-mêmes qui sommes représentants de circonscription. C'est ça que fait. Nous demandons aux responsables au plus haut niveau de l'État pour doter la police dans le département de moyens nécessaires pour être capable de traquer les bandits, puisque presque chaque nuit, et nous apprenons qu'il y a des cas qui ont cassé dans la ville, et qu'il y a des gens qui ont mouru tout, et soit par âme blanche, soit par âme à feu. Donc tout ça, c'est des séquelles d'insécurité qui ont développé dans la ville de Port-de-Paix. Donc c'est ça que nous-mêmes, comme représentants de circonscription, nous demandons à ce que l'autre regard par rapport à la police dans le département PAM, non, et pour permettre à ce que y ait moyen qui mettait à la disposition yo, l'homme dit moyen, tout moyen de déplacement, moyen d'intervention, tout l'autre moyen yo, pour permettre que ville là retourne dans situation de calme qu'il y a. Question de sécurité hein, c'est au niveau national et nous très conscients de lui, nous te dit pas faire chaud médiatique. La police a déjà reçu l'ordre pour pacifier toute zone. Neg Axama a fait la loi d'après ministre Justice et Sécurité publique, la maître Jean-Oudi Ali. Ministre l'a déclaré bandit, c'est dans la prison, ça doit être annoncé. Quelques
question grand ravine nous poser. Nous devons faire comprendre que balle la fini. Nous pas tolérer bandi à marcher si mes deux dans niveau population. Vraiment balle la fini. Nous rendons des dispositions, des instructions claires qui passent à la police pour pacifier zone soit à carrelé qui chaud bandi à bail problème. Pacifier avec un pile professionnalisme, nous demandons la police pour faire ça, mais il y a des instructions formelles pour pacifier toute zone. Nous ne pouvons pas tolérer les bandits à faire des ordres dans le quartier. Les citoyens doivent cavaquer l'activité correctement. Comme on comprend, pour prendre la population en otage, ça nous clair là-dessus. Balle la fini, comprendre que il y a des instructions claires et nettes qui passent à la police pour pacifier zone. Comme ministre, nous faisons partie du pouvoir exécutif. Là, oui, mais CSPN, tout n'est pas et par autorité judiciaire que l'on. Dossier devant la justice et l'autorité judiciaire qui a traité. Mais nous disons, au plus haut niveau de l'État, au niveau du ministère, moins comme ministre, nous disons, balle la fini. C'est clair pour nous. Si c'est bandit, nous devons faire un autre métier. Nous ne pouvons pas tolérer pour bandit empêcher la population à vivre. Président commission travaux publics en transport à communication, toujours dans la chambre basse, Jean-Étienne a encouragé le ministre en travaux publics en transport à communication pour les capables prendre toutes dispositions nécessaires pour capables quitter toute rivière qui représente mal et pendier avant période cyclone arrivé par Boïsite. Député a quoi réalisation travail sa yo qu'a évité population victime. Toujours dans le micro, Elisa Kolo et Moïse Lubitsch. Selon la direction TPTC Cap-Haïtien, il y a parlé de toute machine en branle. Moi-même, comme président de la commission MDPTC, je dis à gauche du POAE que le ministre TPTC, M. Kayo, a pour devoir mettre le pays en chantier. Parce que ce n'est pas ça le Cap-Haïtien qui parle inondé. C'est vrai que le Cap-Haïtien, nous avons une zone Blue Hills, nous avons la Fossette, carénage, quel que soit. Goutte la pluie tombe bien, et bien, ville Cap-Haïtien en péril, surtout l'aéroport du Cap-Haïtien. Mais on garde que l'autre département, c'est pas tant pour l'autre département finit envahi en bas de l'eau, pour direction SMCAS, pour direction, alors, on dit que pour le ministère MDPTC, est capable de mettre machine en branle. Surtout, il y a un budget. Ça y a un budget pour qu'on finisse épuisé. Ça veut dire que là, avant de venir un budget rectificatif, il faut qu'on serve avec le budget qu'on gagne. Il faut une belle population service. Nous faisons des appels, nous parlons avec le Premier ministre, nous parlons avec toute équipe qui est concernée. Mais il faut dire que nous avons besoin. Il y a un ministre qui est à la tête MTPTC. Il faut qu'on ait un droit de voir. Dans l'époque, ça surtout. C'est-à-dire garder tout le pays. Nous avons gardé 10 départements. Comment notre ville est là, en ce sens. Nous n'avons pas besoin d'inviter le ministre, nous n'avons pas besoin d'écrire le ministre pour nous dire que. Moi, je me suis dit, ministre, que le grand budget, ça veut dire que faut mettre toute machine au travail. Même pour parler avec le ministre, pour nous faire connaître que eh bien, la vie des Haïtiens ou encore des départements en péril, il faut que mettez machine en branle pour nous capables de service à la population. Direction service entretien urbain et rural dans le ministère des Travaux publics, transport et communication a réalisé depuis quelques jours travail à Kirage dans plusieurs canaux. Dans Matissan, canal Saint-Georges dans Cité Soleil, à canal Orphelin dans Delma 2. Responsable service entretien urbain et rural dans le ministère des Travaux publics, transport et communication, ingénieur Joaquin Nader, explique qu'il a mobilisé divers matériels pour capable réaliser le travail qui réagisse dans le canal pour capable empêcher des inondations dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Nan moment la pluie a tombé. Reportage 7 Kwapaki à Clowor d'Ali Jean-Jacques. Travail nettoyage canal Breya nan Matissan, canal Saint-Georges nan Cité Soleil ak Boitchen a permis service entretien équipement urbain ak rural nan ministère Travaux publics limiter dégâts yo pendant saison la pluie. Responsable SEEUR la ingénieur Joaceis Nader expliqué gen yon quantité matériel yo mobilisé pour faire intervention dans le canal Sayo. Nous avons des matériels tout neufs. Nous avons plusieurs camions et plusieurs excavatrices à bras longs. Donc, ça permet de comment sécuriser le canal et Cité Soleil au niveau de Saint-Georges, 3BB EH, et canal Orphelin, canal Fort Dimanche, qui est tout canal Delma, et canal Bria, l'ensemble des canaux qui gagnent dans l'aire métropolitaine pour éviter des inondations. Et pour permettre mon yo, malgré toute la pluie, yo ka fonctionner normalement. Toute fatra produit dans zone sa yo,
toute construction anarchique yo fait produit fouille yo tout c'est dans canal yo vidé et comme c'est dans canal yo vidé et depuis la pluie tombé ou vin joine yo en aval et c'est conséquence qui fait depuis la pluie tombé mon yo dit canal yo plein parce que canal yo n'ont pas capable monter en haut pour aller cuire yo et ni n'ont pas capable faire des grands ouvrages des dégraveurs côté pour nous monter à le cuire yo les non besoin. Service entretien équipement a fait intervention sur neuf là dans la commune Cité Soleil. Il a installé un drain pour travailler ça y arriver réalisé. Ingénieur Joséis Nader mandé collaboration population. Comme nous même non pas de Cité Soleil isolé à route nationale numéro 1 route nord là et comme tout c'est un gros voile pour tout le monde qui saute dans nord n'a metté des traversées busées avec des drains de 1m50 3 fils drains cap transiter de droit normalement en attendant un jeune moyen pour faire point. Mais sinon dit population à ça, c'est pas nous mêmes qui craser, c'est eux mêmes qui décider craser, vous comprenez yo. Nous mêmes nous voulons une réponse rapide. En attendant nous dit n'a fait soit on dalo, soit un pont. Ça dépend qui ça étude là prouver qui pour faire. Leader social yo dans zone là d'accord pour nous faire. Population yo prend tête yo bon yo pas d'accord. Bon député on pas si député a parlé avec yo, moi député a son monde qui ouvert. S'il parle avec yo yo comprendre réalité, nous pral faire. Divers monde dans quartier Matissan, à Cité Soleil, ça le travail qu'a fait dans canal ça yo pendant yo mandé travaux publics pour faire intervention plus souvent dans canal ça yo. Journée aujourd'hui hein, nous à qualité de travail qu'a fait là, nous un gros coup de chapeau pour Nadé parce que monsieur on met de tout bagage, monsieur, c'est un nanè qui tous sous le terrain à travailler. Mais après m'te dit ça, après m'te dit ça, les gens connaissent très bien travail là sans l'air pour commencer pour arriver en bas. Ça qui est plus important dans le travail ça qu'a fait là, c'est qu'a fait pour moi et en mu bien haut et puis pour l'autre passer à le faire tout bloc et Delma aéroport et tout. Yo veo ba nou ici a. Pour saison cyclone qui a privé là, service entretien équipement urbain aquiral dans ministère travaux publics annoncé, yo prend toute disposition pour faire intervention dans zone risquée yo d'après ingénieur Joséis Nader. Nous parlons dans dossier économie puisque dossier prix gaz là retourné dans actualité locale là depuis plusieurs jours. Régional Noël qui observe que j'actualité a bien a expliqué non li même que ça li comprenant de question gaz là. Antimas ak Henri Robert Chéri a présenté nos quatre rendu à nous suivre. Ministre économie ak finance là, Jude Alix Patrick Salomon déclaré l'état pour l'appliquer salaire la di sous affaire ajuster prix gaz là. Mais ça déclaré devant commission finance Sénat, toute disposition déjà prend en sens ça. Nous juste considérer que la loi fixé qui jambe pour prix gaz fixé. Nous juste constater. Nous pas respecter la loi qu'on y a parce que prix pour gaz aïeul pas pris ça. Nous t'a souhaité appliquer la loi. Réginald Noël, vice-président de compagnie Ecodiesel était quoi? Décision pour monter gaz là pas du jeu de politique. Pour vice-président Ecodiesel là, l'important pour autorité dans gouvernement prendre en considération prix gaz là sur marché international là. C'est bon pour tout secteur chita dans pays là pour capable garder chercher une solution d'entente pour voir comment que nous capable stabiliser crise ça. Ça qui vient l'État subventionné prix, hein, c'est-à-dire que qui est-ce qui bénéficie la donne vraiment? Gros population, hein, c'est la motocyclette, taxi, tap-tap que roule. Il y a à peu près 800, 600, 800 000 motocyclettes dans le pays, c'est gasoline qui roule. Tap-tap, il y a à peu près 30 000. Et taxi, à peu près on dit 10 000 à travers le pays. Et c'est là qu'on est à pour subvention, pour nous garder comment on est capable de faire de façon que 13 populations qui ont souffert plus, qui ont moins de problèmes, comment on est capable de souffrir moins. Réginald Noël allait plus loin pour exiger l'État prendre responsabilité dans limiter qualité machine qui a circulé, ou soit qui a dédouané dans le pays. Pour lui-même, quantité machine a un gros impact sur la consommation de gaz. Le parc automobile nous a grandi chaque année de 30 000 machines. Dans 30 000 machines, ça c'est seulement 10% de la donne, qui est machine neuve. Tout l'autre sac à rentrer, c'est des machines usagées qui ne peuvent pas vraiment répondre à besoin d'Haïti. Ça crée une hémorragie. Quand pile là-dedans, c'est des machines 6 cylindres que le monde n'a pas qu'à rouler l'autre bord encore, que le point de l'ouvrier va nous réussir. L'autre mini site là qu'on est là, donc avec tout trafic qui gagne, blocus qui gagne, on a boule gaz à sous place. Tant qu'on dit dans CARICOM, et son bar qui va m'aïonique pendant que Haïti a présidé CARICOM, qu'on est là, dans le loin dans la loi CARICOM, il n'y a pas qu'une machine qui pire grand monde que 36 mois qui supposé arriver dans le port CARICOM. Et c'est là qu'on est allé vers l'efficience.
parce que pour regarder exactement quel type de machine que nous besoin qui peut avoir répondre à besoin là, parce que ça crée une hémorragie pour nous-mêmes tant qu'on dit tout à l'heure, nous pas producteurs de pétrole, nous consommateurs, mais si nous consommons, il faut consommer avec efficience, consommer le bien. Tant que ça arrive dans plein d'autres pays, mais c'est nous encourager autorité pour mobiliser plus ressources dans créer plus production. Ça qui apporte un soulagement pour le monde qui en a besoin. Il va être très difficile. Et tout l'autre pays dans le monde commence à subir le contre-coup. Ça, dans le prochain mois, là, nous allons vraiment commencer à sentir l'absence de production Iran. Il est capable de prendre $10-$12 encore sur le baril. Là. Et plus tu vas passer, c'est plus le pas difficile. C'est qu'on est pour vraiment faire une tête ensemble, une prise en charge pour nous voir comment on est capable de faire ça. Reginald Noël, tant qu'on pile l'autre observateur était quoi? Dossier prix Gaza doit m'arrêter avec l'action sociale pour baisser la frustration dans le temps couche de monde qui n'est pas capable de. Fait drapeau qui a privé sous nom 18 000 ans, et bien, député circonscription AKEA, Pierre Fekir Julien, qui exprimait préoccupation face à Kweta Lidi qui gagne en préparation 215 l'année fait drapeau. Le parlementaire a lancé un appel à tout secteur pour capable protocoler pour faciliter fait drapeau bien déroulé dans la commune AKEA. En nous souvient extrait dans la déclaration de la micro-fête confident avec Moïse Wilbouch. Nous interpellés par question le 18 mai, qui est une fête à la fois culturelle et patriotique. Eh bien, à quelques jours du 18 mai, nous sommes très préoccupés par question. Sous plan local, nous connaissons la mairie qui a une préséance pour faire des préparatifs d'un point de vue assainissement et des invitations. Le bon début, mais il y a un gros retard dans les préparatifs au niveau de la cité du drapeau. Je vais lancer SOSA by non seulement l'État central, mais tous les acteurs, tous les Haïtiens, la presse en général, aidez-nous à faire une meilleure sensibilisation. Je me suis dit, il est tard, mais il n'est pas trop tard. Nous avons fait mieux parce que le drapeau, c'est notre drapeau. N'a pas entré dans un dossier santé contractuel à l'hôpital Université l'État d'Haïti que y aurait l'hôpital général qui travaille une autre fois encore journée mercredi 9 mai pour continuer à exiger nomination. Yo. Président syndicat travailleur santé, yo, Rosta Georges Alisma, déploré attitude d'autorité concernée au lidi qui pas satisfait revendication personnelle contractuelle. Explication président syndicat travailleur santé, yo, Rosta Georges Alisma, Namiko Lunel Jean-Louis à Claude Ali Jean-Jacques. Nous avons 184 personnes qui ont eu l'état d'affectation depuis en octobre. Il y a tant de nominations. Parce que c'est un protocole d'accord qui a signé pour le ministre de respecter, qui a eu nomination, qui a eu un ajustement de salaire, qui a eu une régularisation là-dedans. Nous disons, moment ça, nous disons nous quitter ni régularisation, ni ajustement fonti campé. Nous disons, priorité des priorités, c'est 184 lettres yo, nomination yo, n'a tant nan men dirigeant yo. Ça veut dire ouais, nous pas mandé en pile bagay. Nous résumer tout ça n'a pas dit. Si gon l'autre bagay qu'a fait n'a fait là après là, mais 184 lettres yo priorité pour nous. Jodi a 684 lettres là, rentre l'hôpital à la mba nous garantit, li midi la, midi et demi, tout dit nous là. Nous même la presse grève la, levé 184 tête la, li rentre pas gen grève encore. C'est là, nous fermons un chapitre local là, nous prenons aller à l'étranger, nous prenons aller dans le pays Iran, puisque le président américain Donald Trump qui retire Colina accord nucléaire Iran, eh bien, ça a créé un pile réaction et particulièrement bon côté une dizaine de députés iraniens qui décident de brûler le drapeau américain pendant qu'ils tombent dit l'amour pour l'Amérique. Eh bien, c'est une façon pour être capable protester contre décision président américain Donald Trump prend pour être capable de retirer coller dans l'accord cela. Euronews pour plus de détails. Des dizaines de députés iraniens ont crié mort à l'Amérique après avoir mis le feu à un drapeau américain pour protester contre l'abandon par Donald Trump de l'accord sur le nucléaire.
De son côté, le président du Parlement annonce des mesures de représailles. La République islamique d'Iran les ramènera à la raison à coup d'action nucléaire. Dans de telles circonstances, l'Iran n'a plus d'obligation à contraindre sa position nucléaire. Comme leurs dirigeants, les Iraniens condamnent la décision de Washington d'abandonner l'accord et de rétablir les sanctions économiques qui étaient suspendues. On connaît les États-Unis, ils ne respectent pas leurs promesses. L'accord leur a permis d'écouler leurs dollars chez nous, mais maintenant le cours du dollar va flamber. L'accord n'a pas amélioré nos conditions de vie, au contraire. Négocier avec les États-Unis était une erreur. Ils ne veulent rien d'autre que dominer le monde et décider de tout. Ils ont besoin de guerre. Ils risquent la faillite s'ils ne vendent pas leurs armes. La rancœur des Iraniens est d'autant plus forte qu'ils étaient déjà déçus. La signature de l'accord n'avait rien changé, alors rien ne nous inquiète. Je ne veux pas que nous négocions nos programmes de missiles et de défense. C'est notre droit inaliénable à accéder aux technologies de pointe dans ce secteur. Cette information m'inquiète. Je suis inquiet pour tout. Qu'est-ce qui peut nous arriver à l'avenir ? Dans l'accord conclu en juillet 2015, l'Iran accepte de limiter son programme nucléaire pour garantir son caractère pacifique. L'objectif de la France et des autres pays signataires est de tenter de sauver cet accord malgré l'absence des États-Unis. Toujours dans le même dossier, c'est là le fait que le président américain Donald Trump a sorti d'un accord nucléaire Iran. Une situation sacrée, gros bouleversement, bon côté compagnie européenne qui a fonctionné dans le pays Iran. Euronews. Ce mercredi, les gouvernements européens se sont engagés à tenter de préserver leurs liens économiques avec l'Iran, qui avait connu une embellie dans un contexte de retour annoncé des sanctions américaines. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les entreprises européennes soient le moins touchées possible. Pour être clair, l'Union européenne est prête à contester auprès de l'Organisation mondiale du commerce toute mesure unilatérale qui attenterait aux intérêts d'entreprises européennes et à répondre de manière proportionnée et évidemment conforme avec les règles édictées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. L'accord de 2015, qui levait une partie des sanctions internationales visant Téhéran, avait ouvert de nouvelles perspectives aux entreprises européennes. Airbus, Siemens ou PSA ont lancé des projets avec la République islamique, mais il s'agit le plus souvent d'acteurs dans le domaine énergétique. Difficile de savoir aujourd'hui quel sort leur est réservé. En l'espace de 3 ans, le poids des échanges entre l'Iran et les multinationales de l'Union a été multiplié par 3. Moins content pour me quitter ça, moins content pour moi mourir. C'est déclaration d'un scientifique australien David Goodall qui a 104 ans sous tête qui décidait de touiller tête. C'est un rêve monsieur était gagné depuis longtemps ça, mais la loi dans pays Australie pas permettre lui faire ça. C'est pour ça monsieur altouyer tête dans une clinique dans pays la Suisse qui ba yon moun droit pour capable mettre yon bout dans la ville depuis moun sa décidé pour les pas vivre encore ce bout de ça. Euronews pour plus de détails. Pour David Goodall, le jour J est enfin arrivé. Ce scientifique australien de 104 ans est sur le point de se donner la mort dans une clinique suisse. Un vœu longtemps formulé, mais impossible en Australie où l'aide au suicide est interdite. La loi helvétique le permettant, c'est ici qu'il s'apprête à franchir le pas, aidé par une fondation spécialisée dans la mort volontaire assistée. À mon âge, et même bien avant mon âge, on veut être libre de choisir de mourir lorsque le moment approprié est venu. C'est mon propre choix de mettre fin à ma vie ce jeudi. J'ai hâte et je suis reconnaissant à la profession médicale suisse de rendre cela possible. And I'm grateful to the Swiss medical profession
Chercheur à l'université Edith Cowan de Perth, le botaniste David Goodall ne souffre d'aucune maladie spécifique, mais sa condition physique s'est dégradée et il a fait une tentative de suicide en début d'année. C'est par l'injection d'un puissant sédatif qu'il mettra fin à ses jours. Il doit être celui qui ouvrira la valve, libérant le produit. Et c'est là, journal arrive en beauté, puisque déjà 7h30 avant nous dire bye-bye, permettre que nous rappelons grand point qui domine l'actualité. Président République la Jovenel Moïse et Première Dame République la Martine Moïse recevoir hier mercredi dans le Palais National de Port-au-Prince, ambassadeur pays Mexique accrédité en Haïti, José Luis Alvarado, qui arrivait dans fin mission. Diplomate la tap travail pour porter coller dans renforcement relations amitié en deux pays depuis février 2014. Ministre Justice et Sécurité publique M. Jean-Woudi Ali, qui était avec le commissaire gouvernement Port-au-Prince M. Oknama, clamé d'Améus et puis droit tribunal la première instance Port-au-Prince M. Bernard Saint-Ville visité pénitentiaire nationale mercredi 9 mai. Objectif visite ça, c'est pour capable informer et puis garder comment prisonniers à vivre en dans prison si là. Direction service entretien équipement urbain à Kourala, dans ministère travaux publics transport et communication a tenté mais depuis plusieurs jours travail qui rage dans plusieurs canaux dans Matissan, Cité Soleil à Delma 2. Et puis au niveau international, la décision président américain Donald Trump prend pour retirer tête dans l'accord nucléaire iranien crée gros bouleversement bon côté entreprises européennes qui a fonctionné en Iran. De l'autre côté, plusieurs députés iraniens boule drapeau américain pour exprimer mécontentement par rapport à décision américaine. Nous t'écoutons ensemble avec vous pour être capable d'informer. L'irrité seulement pour nous souhaiter passer un très beau jeudi sous TNH. Rendez-vous avec moi-même, c'est demain vendredi pour l'autre édition. Bonne journée tout le monde.